quelques petits détails à affiner, hein. On va faire les petits réglages. Déjà, le contrôleur de voile n'est pas tout à fait dans l'axe du voile. Il est un petit peu décalé, quelques degrés comme ça. Je l'avais remarqué, je pensais que ça allait pas être notable, mais en fait, c'est super notable. Donc, il avait une espèce d'instabilité en virage. Il restait un petit peu coincé. Donc, les 2-3 degrés, je vais les corriger. Et puis, autre chose, il avait tendance en mode angle à descendre légèrement. C'est-à-dire que le contrôleur de vol, le zéro, n'était pas tout à fait fait correctement. J'ai fait une approximation, il faut que je lui lève plus le nez. Donc voilà, donc il était comme ça, à 0 degré. Là, il avait tendance à descendre. Donc ce que je vais faire, je vais lui rajouter un petit peu. Donc ça, je monte de 5-6 mm, ça peut suffire. Je vais faire petit à petit. Donc là, dans le configurateur, on va dans l'onglet configuration. Je vais changer l'angle du contrôleur. Donc 270 degrés, le zéro est là. Il est à 270 comme ça. Et moi, il est un petit peu comme ça. Donc, il faut que je lui dise qu'il n'est pas vraiment à 270. On va dire 268. Allez, on va dire 267,5. Non. On va faire un nombre à virgule, on ne sait jamais. 268, on va dire comme ça. Donc, ici, je vais mettre 0. Et là, je vais rajouter 1,1 degré. Donc là c'est bien, 0,1 degré, on n'aura pas mieux. J'ai changé le moteur, c'est un T-Motor F60, c'est un 2550 kW, donc il remplace le l'IMAX RS2206. Il est plus lourd, hein, on voit d'au-dessus, en diamètre c'est les mêmes, mais on voit que le stator est bien plus long. Moteur bien plus lourd, et puis après j'essaierai peut-être le 2306 que j'ai réparé. Et à l'intérieur j'ai remplacé le petit EC 30 A. Par un 50 A beaucoup plus conséquent, mieux adapté aux avions. Laissez avec un plus gros lipo, je vais mettre un 4S 1800. Puis voilà, il n'y a plus qu'à. Correction de l'angle moteur, j'ai mis deux petites rondelles en haut. Ici, ça suffit, il faut pas grand-chose. Ça permet au moteur de tirer un peu plus vers le bas. Ça suffit à ce que quand on accélère, ça fasse pas pivoter l'avion, parce que là, le moteur était trop vers le haut. Donc quand on accélère, il fait comme ça. Et puis j'ai changé l'émetteur vidéo. Mmh.